Salut les copains, donc on se retrouve pour un nouveau test d'un jeu que j'ai eu quand j'étais minot. Je l'ai eu donc en novembre, moi je l'ai eu pour mon anniversaire, donc en décembre 94. Je ne l'ai pas eu tout de suite dès sa sortie parce qu'à l'époque les cartouches c'était 500 balles. Donc moi je l'avais acheté, je me rappelle même d'occasion, 250 francs, je me rappelle bien. Donc Mortal Kombat 2, édité par Acclaim Entertainment. Développé par Midway Manufacturing Company. Je vous avais déjà parlé de ces sociétés-là précédemment sur un test. Je ne me rappelle plus exactement lequel, mais donc j'avais déjà un peu expliqué l'historique de ces sociétés. Donc sorti d'abord en arcade en 1993 en novembre, puis il a été porté en fait sur Amiga, sur Game Boy, sur Game Gear, sur Master System, sur Mega Drive, sur Super Nintendo, sur PS1 et sur Saturn. Quand même plutôt pas mal pour un jeu. Eh bien, il a été porté sur beaucoup beaucoup de supports. Donc deuxième volet de la série de Mortal Kombat. Donc sur celui-là, on a 12 persos plus un caché qui est Jade. Après, on a quelques persos qui sont cachés sans être cachés, c'est-à-dire qui ne seront pas jouables. Et on a 10 stages. Donc par rapport à l'ancien, déjà là, on n'a pas de souci de censure ni etc. On a le sang rouge. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait eu des problèmes de censure sur le premier volet qui me semble qui n'était pas censuré sur Mega Drive mais qui avait été censuré sur Super Nintendo. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Donc un jeu où ils ont mis cette fois plusieurs fatalities, on a la Bability, on a pas mal de choses. Je vais essayer de vous en faire durant les combats. Par contre, je vous rappelle juste un truc, c'est que ce putain de jeu, eh ben, franchement, je me rappelais plus, mais il est sacrément dur. Franchement, il est sacrément dur. Alors, il avait eu un accueil critique excellent, entre on va dire 9 sur 10, 95%, 18 sur 20, il a eu des notes dans ces eaux-là. Déjà, graphiquement, on avait un petit peu avancé encore par rapport à la première version, un peu plus détaillé, un peu plus joli. Puis la digitalisation des personnages était quand même plutôt sympa. Ah ben voyez, une fatality, ça commence bien. On va essayer d'aller un peu jusqu'où on peut. Voilà la fameuse le fameux chemin que l'on doit suivre. Donc on retrouve Johnny Cage qui est la parodie de enfin la parodie ou la copie, je sais pas comment on pourrait dire ça, de Jean-Claude Van Damme. Vous voyez comment on se fait vite éclater, c'est hallucinant. Et pourtant, je joue dans un mode qui est, je crois, j'avais réglé en mode easy, quoi. Truc de dingue, je trouve que par rapport aux dernières versions, moi qui ai beaucoup bloqué le 9 et le 10, sans déconner, c'est franchement difficile, je vous assure. C'est franchement difficile de placer. Alors, c'est très technique, mais. Ne serait-ce que de défoncer l'adversaire, je veux dire, rien qu'avec des coups simples, c'est dur. On change un peu, on va essayer de tester plusieurs persos, en essayant peut-être plusieurs fatalities si j'y arrive aussi. Je vous avais certainement parlé, justement, ça me revient, parce que j'avais fait le test du Mortal Kombat Trilogy sur Nintendo 64. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai dû vous parler certainement de Acclaim et de. Mais je me rappelle que ce stage, il y était sur le trilogie. Vous voyez comme ça tombe vite, c'est un truc de dingue, hein? Ah, c'est dommage, il m'a pas fait de fatality. On va tester Liu Kang, la parodie de Bruce Lee. Alors, on peut le dire quand même qu'au niveau graphisme, c'est quand même sympa, c'est franchement pas mal pour de la Super Nintendo. Ça bouge bien, il n'y a pas de ralentissement. C'était quand même une réussite ce jeu. Hein. Pour
pour l'époque, c'est franchement, c'est... En plus, c'était quand même assez différent de Street Fighter 2. Je trouve qu'ils avaient vachement innové dans le sens où ça ressemble pas à d'autres jeux de combat. C'était franchement, c'était une bonne idée ce qu'ils ont fait. Vraiment une bonne idée, puis l'histoire derrière avec le monde des ténèbres, etc. Avec Shang Tsung et tout ça, la sorcellerie, Raiden et tous ces trucs. Moi, je trouve que c'était quand même bien, c'était bien pensé. Hein. Mais l'histoire limite plus profonde qu'un Street Fighter 2 même. Ou qu'un Fatal Fury, quoi. Ah ben, j'ai loupé la Fatality. Désolé. C'était pas évident de les placer. Hein. Franchement, c'était... C'est déjà une chance aujourd'hui d'avoir Internet et de pouvoir les retrouver. Parce que c'était déjà à l'époque, il n'y avait pas Internet hein, pour savoir. Hein. Il fallait choper les magazines de trucs et astuces. Comme quoi, le monde, il a vachement changé. Hein. Bon, vous voyez, il m'a éclaté mais en 2 secondes. Hein. C'est un truc de dingue. Je me rappelle ce stage, il m'avait vraiment marqué quand j'étais minot. Je trouvais ça super bien, quoi, avec les arbres comme ça, les bouches et tout, les visages, c'est un truc de dingue. C'était déjà quand même très violent pour l'époque, hein. On dit toujours qu'il y a plus de violence aujourd'hui, mais en fait, je suis pas super d'accord parce que finalement, on en avait quand même déjà à l'époque. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, la violence, elle est peut-être mieux faite sur les films et les jeux vidéo parce que graphiquement, on a une technologie plus avancée. Mais c'était quand même déjà très violent. Hein. Faut pas oublier non plus que pareil pour les films, Massacre à la tronçonneuse, si vous regardez le premier de 77 de Tobe Hooper, vous pétez un câble. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Et c'était il y a 40 ans. Hein. Vous voyez, ça descend vite. La vie, c'est incroyable. Hein. Il vous met quelques coups. Ça descend super vite. Franchement, ça se demandait pourquoi ils ont mis du temps. Hein, parce qu'on n'arrive jamais au bout des 99 secondes pour un round. Hein. En fait, pour faire une très bonne vidéo de ce jeu, moi je pense qu'il faudrait vraiment s'entraîner à fond, comme à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, de toute façon, on achetait un jeu, on le ponçait jusqu'au bout. Je pense que c'est ce qu'il aurait fallu faire, en fait. Mais honnêtement, j'ai pas le temps. J'ai plus le temps de faire ça. Je suis déjà content de pouvoir l'avoir retrouvé. C'est un jeu que vous pouvez trouver en loose entre 10 et 15 euros selon l'état. C'est déjà cool parce qu'il n'y en a pas souvent, pas beaucoup. Moi, j'ai trouvé sur Price. Du coup, c'est vrai que ça permet de retrouver des jeux pour faire des vidéos. C'est déjà assez sympa. Surtout que bon, maintenant, c'est des jeux que j'ai fait il y a quand même 24 ans. C'est un truc de dingue. Se dire que c'est autant passé. Après, le grand souvenir que j'ai, c'est sur le Mortal Kombat 3. Mais alors, c'était pas sur. Moi, je l'ai vu sur PlayStation. Je l'avais pas eu sur Super Nintendo. Mais je me rappelle que justement, c'était assez bluffant parce que la version PlayStation était super bien faite et la version Super Nintendo était très très bien adaptée. Il y avait des trucs en moins, mais elle était très très bien adaptée. C'était vraiment un truc de dingue. Round 2, fight. Ah ouais. Ah, une petite fatalité. Ah ouais, elle était pas mal celle-là. Fatality. Et en plus, il n'y avait que 4 crédits, vous imaginez ? C'était abusé. C'était vraiment le jeu où à l'époque, voilà, il fallait s'entraîner à fond pour le finir. Parce qu'avant d'y arriver, les 4 crédits fondaient très vite. Hein.
fight. Ce stage aussi, moi j'ai toujours trouvé très sympa. Ça fait un peu mystique et tout ça, mais franchement, il y avait une sacrée originalité, je trouvais, moi, dans le jeu complet, quoi. J'ai imaginé plein de persos complètement différents. Ça avait quand même. On se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup de créativité, quoi. Round 2. Fight. Et ben voilà, je suis mort. On va retenter, on va recommencer une petite partie, l'histoire d'avoir une vidéo un peu plus longue et de voir peut-être si on peut voir un peu d'autres choses. Ça fait un peu court là, je trouve, 11 minutes pour une vidéo, c'est un peu dommage. On va retenter. Bon, je dis pas qu'on va aller plus loin. Hein. C'était quand même sacrément dur, je m'en rends compte, franchement. Ah ben ça, je crois que c'est un final stage à la base, où vous êtes devant le Big Boss. Ben, c'est franchement pas évident. C'est mal barré. Après, pour moi, le meilleur de la série, ça a été le 9. Vraiment, le 9 sur PS3, il est magnifique. La jouabilité est carrément excellente. Le 10, c'était une bonne suite, mais c'est fou, hein. Ils n'ont pas réussi à faire aussi bien que le 9 au niveau gameplay. Ah, il aurait pu au moins me faire une petite fatalité. Hein. Il était un peu feignant des fois l'ordinateur là-dessus. Hein. Il le faisait pas forcément. Vous voyez comme ça descend vite. Je suis encore au premier perso. Je vais me faire éclater. Après, je n'ai pas dit que j'étais un excellent joueur, mais. On va essayer. Le fameux stage. Un peu violent. On finit toujours dans le. Cette espèce de fosse là. D'ailleurs c'est bien parti pour qu'il m'éclate encore. C'est un truc de dingue. Hein. Je suis pas en niveau hard ni. Hein, franchement c'est dur. Il enchaîne l'ordi mais c'est un truc de dingue. Après chaque perso, faut vraiment le travailler pour le maîtriser. C'est une sorte d'acide très rapide. Bon, il nous reste deux continues. Trois. Enfin. Ouais, pourquoi trois? C'était pas deux, je sais plus. Alors, on va essayer d'autres persos pour vous les montrer. Alors lui, il a le pouvoir, à la base, lui, il peut se changer dans tous les persos du jeu. Mais alors, il faut trouver les manips. Et c'est vrai qu'en fait, si on prend Changsung comme ça, il n'est pas forcément très puissant. Mais après, le fait de pouvoir se transformer dans les autres persos, c'est ça sa puissance. Mais c'est vite expédié avec l'ordinateur. Hein. Round 2,
Et là, malheureusement, j'avais pas pris les codes de Chansung, j'avais pas prévu de le prendre, donc. Round 1, fight. Vous voyez, je me suis changé en Baraka. J'ai pas fait exprès, hein, je vous le dis juste. Round 2, fight. Bah, je crois qu'il faut y aller un peu à l'enculerie. Hein. Je crois que pour gagner dans ce jeu, c'est le mieux. Finalement, je disais que c'était pas le plus puissant, mais c'est avec lui que je gagne le plus. Comme quoi. Donc ça va être bientôt la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci à tous mes abonnés qui me suivent et tous les nouveaux qui arrivent. Merci à vous de vous intéresser à ma chaîne, c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Je pense faire une vidéo donc prochainement sur le thème donc mon histoire du jeu vidéo qui va continuer et certainement une vidéo vide grenier pour les prochains que je ferai. Voilà, portez-vous bien les amis et je vous laisse sur ce combat. Ciao ciao.